Hey bien, salut à tous les amis, comment ça va? En tout cas moi ça va super et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouveau troll donc que j'ai fait avec Mister Kiwi. Donc les amis, ce nouveau troll, donc ça faisait assez longtemps que je n'en avais pas posté, ça faisait à peu près une semaine. Donc là j'ai décidé de vous en refaire un, donc c'est un troll que j'ai fait. Donc on a trollé un Québécois, donc déjà vous allez vous dire c'était vraiment pas mal effectivement. Et en plus le troll a soi-disant mal tourné, donc je vais vous laisser découvrir un peu le troll. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, il y a eu la police, ou du moins ce qu'il a essayé de faire croire. Donc je vais pas vous en dire plus et je vais vous laisser découvrir la vidéo. Donc voilà les amis, c'est parti. Ouais allo, c'est toi Banano 170? Allo. Ouais allo, ça va? Ouais. Ouais, tu fais quoi là? Ah t'es sur Funcraft, c'est toi Banano 170? Ouais c'est moi. Tu veux qu'on trouve un autre jeu? D'accord. Qui je quitte? T'es québécois? Ouais. Oh. Toi t'es de France? Ouais, je suis de France moi, mais j'aime bien les Québécois. Ben moi en fait je joue sur Minecraft mais sur une version craquée donc Epic Cube il marche pas. Ah ok, d'accord, ok. PVP Box, ça te dit? Et sinon t'as quel âge toi? Moi j'ai 10 ans. Je suis petit, oui je sais. Moi, quand quelqu'un, par exemple, je parle à quelqu'un, par exemple, de 13 ans, le mec, il raccroche direct, hein. Ouais, mais je suis pas comme ça, moi. On n'est pas comme ça, moi, avec Mathis. Ah, c'est la bagarre, what the hell. En fait, c'est pour ça, c'est pour ça que je demande à Mathis s'il avait toujours son générateur. Parce que, du coup, en fait, ce qu'on aurait pu faire, c'est que, genre, j'aurais pu te prêter un compte. Enfin, même te le donner parce que c'est gratuit, tu vois. Enfin, nous on paye rien, on paye 5 euros, un compte de plus, un compte de moins. Ça. Est-ce que tu connais le youtubeur Steelers? J'ai déjà entendu, ouais. Je connais. C'est un best. C'est un de mes youtubeurs préférés, il joue à Minecraft, puis voilà. Ouais, je connais Steelers. Et en fait. Si tu le savais pas, on a le premier festival de youtubeurs au Québec. Ah non, je savais pas pour le coup. Qui s'appelle Oh My Fest. Vous avez eu plein de festivals, hein, j'imagine. Ouais, nous on a eu la Japan Expo, la Paris Games Week, on a que ça. Ouais. Et du coup, alors ça t'intéresse de pouvoir venir sur Epic Cube ou pas? Ouais, mais comme je te dis, ça marche pas. Pourquoi? Non mais moi je te dis, je peux te donner un compte craqué. Ok mais comment? Je vais te donner un lien et puis toi tu rentres le pseudo que tu veux avoir et puis tu l'auras quoi. À vrai dire moi c'est ma deuxième fois sur Skype donc je suis pas trop habitué. Oh bah, d'accord. C'est un peu comme un téléphone là mais en version comment dire? En version en ligne. Technologique je sais pas. En ligne. Ouais c'est comme un peu le mélange du message, du vidéo, puis du téléphone. Bon alors du coup, toi t'aimerais bien aller sur Epic Cube? Ah ouais, moi, le serveur, ouais vraiment. Epic Cube, c'est vraiment un serveur que j'aime beaucoup. Alors Matt, tu as la clé ou pas? Ouais. Est-ce que tu peux me faire ce qu'on appelle un partage d'écran, s'il te plaît? Hop, voilà, je t'ai donné un petit lien, tu cliques dessus. Alors là, tu vas commencer à taper ton identifiant, s'il te plaît. Ah, c'est bon. Gossin. Alors là, tu peux fermer ta page. Ok, t'es sûr? Oui, sûr. Voilà. Bon. Alors, je t'explique. Maintenant, il faut bien que tu m'écoutes, ok? Ok, ouais. Donc, moi et Mathis, si tu veux. On a fait des études et on s'y connaît vraiment super bien en tout ce qui est informatique. Et on fait partie de la Team Monkey. Donc la Team Monkey, c'est une team qui est assez connue en Europe, surtout en Europe de l'Est, pour être une grande team de hack. Ce qui fait qu'en fait maintenant, il faut pas que tu raccroches parce que sinon ça serait assez dangereux pour ton PC. Non, il a raccroché. Sérieux, allô, qu'est-ce que t'as fait? Bah là pour l'instant j'ai encore rien fait. Par contre si tu pars, je vais être obligé encore de t'envoyer une attaque des déos. Non mais sérieux, qu'est-ce que tu fais, merde? Et bah alors tu écoutes s'il te plaît et tu te calmes. Sinon je vais devoir Tu enlever tous mes trucs là?
Non, je vais rien t'enlever si tu m'écoutes. Ok? Tu m'écoutes ou pas? Oui! Bon, maintenant tu te calmes, hein. D'accord. Mais tu voles mon cash? De quoi? Tu voles l'argent, en fait? Je pourrais le faire, effectivement. Moi, j'en ai maintenant la possibilité, puisque tu as cliqué sur le lien. Par qui? Non. Tu sais que j'avais commencé une opération pour le DDoS. Là, j'ai arrêté parce que tu m'as appelé. Donc, faut que tu saches une chose, c'est que si là, tu quittes maintenant, je n'arrêterai plus le DDoS. T'as compris? D'accord. Donc là, tu écoutes bien jusqu'à la fin ce que j'ai à te demander, ok? D'accord. Alors, maintenant, je vais pas aller par quatre chemins. Qu'est-ce que tu aurais à nous donner pour pas qu'on te hack ton compte? Enfin, ton compte et ton PC. D'accord. Alors, tu n'as rien à nous donner, c'est ça? Non. Bon. Alors, vu que t'es québécois, je veux bien ne rien te faire, mais à une seule condition. Donc, maintenant, je te demande de chanter le générique des Power Rangers. Non, j'ai pas trop le goût de le faire. Ah ouais, mais le souci, c'est que le fait que tu n'aies le goût ou pas, c'est pas trop mon problème, en fait. C'est soit tu fais ça, soit on envoie le DDoS. Hein. On n'a pas le choix. Mais c'est quoi ton but, en fait? Mon but, c'est de récupérer quelque chose qui a de la valeur. Mais vu qu'apparemment tu n'as rien qui est de valeur, alors on va s'amuser un petit peu. Ok, écoute bien mon gars, moi je suis de la police. Ça va bien? Tu m'entends-tu bien? Oui, allô? Oui, l'utilisateur de ce PC-là m'a téléphoné. Je suis de la police de Montréal. Et puis là, on est prêt à retracer. Je ne vous comprends pas. Nous ne sommes pas de Montréal, nous. Non, je sais que t'es pas de Montréal, t'es de l'Europe. Oui. Oui. Là, c'est quoi t'essayes de faire avec un jeune? C'était une blague, tout simplement. Ok, mais c'est très drôle parce que là, les gendarmes en Europe sont avertis. C'est une blague et j'allais avertir l'enfant et puis tout simplement lui offrir quelque chose à la fin. J'ai une chaîne YouTube, si vous voulez. Je peux même vous l'envoyer. Non, on n'est pas intéressé du tout. Donc, voilà. C'est quoi ton nom à toi? Moi, je m'appelle Roxif. Tu t'appelles Roxy, c'est quoi ton vrai nom? Ah, ça, ce serait pas drôle de vous le dire, monsieur. Ça serait intelligent de ma part, en plus. Intelligent ou pas, on va te retracer d'une manière ou d'une autre. Ouais. Le problème, c'est que tu as été enregistré. Mm-hmm. Tu as fait des menaces. Ça, c'est grave selon la loi, hein? Mm-hmm. Ouais, tu es au courant? Oui, monsieur, je suis au courant, mais le souci, c'est que voilà, c'était pas méchant. Je sais pas si t'es mineur ou que t'es majeur, hein, mais peu importe, les conséquences sont graves. Qu'on soit mineur ou majeur, c'est très grave. J'ai une chaîne YouTube, monsieur, hein, je peux vous l'envoyer. Hein. Non, je suis pas intéressé à ta chaîne YouTube. Ah ben oui, mais enfin, je veux bien vous croire hein, sur le fait que vous êtes gendarme. Mais... Alors, vous devriez jouer à d'autres choses que jouer à ça, par exemple. C'est un peu immature de votre part, je trouve. D'accord. Bon. Parfait. Plus jamais tu rentres en contact avec cet enfant-là, m'as-tu compris? Oui, voilà. Parfait. Fin de la conversation. D'accord. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Hey, voilà les amis, ce troll est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc en tout cas, pour ma part, je ne sais pas toujours pas si c'était vraiment un vrai policier ou un vrai gendarme de Montréal. Mais en tout cas, j'ai toujours pas eu de contact des policiers ni de la gendarmerie nationale de France. Donc, à mon avis, tout va bien. Donc, j'espère en tout cas que ce troll vous aura plu. Sachez que je vous prépare d'autres trolls qui vont sortir certainement très rapidement. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like et à partager un maximum. Donc voilà les amis, salut !